Hey Olivier, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de booster Néo Tempête des Ténèbres. Voilà, c'est une édition qui vient juste de sortir, alors peut-être pas forcément juste au moment où sort la vidéo, mais au moment où je la tourne en tout cas elle est très récente. Moi personnellement je viens de sortir de la sneak peek, donc voilà, une sneak peek que j'ai gagnée, je reparlerai un petit peu tout à l'heure, je suis assez content mine de rien. Ces boosters là ils ont une valeur assez savoureuse pour moi, pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des boosters que je n'ai pas achetés, ce sont les premiers boosters que j'ouvre sur la chaîne avec vous, grâce à vous, qui m'ont été envoyés et offerts par Konami. Voilà, donc je suis extrêmement content de les ouvrir avec vous. Pas grand chose à vous dire de plus, on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra. Donc ces petits boosters, ils sont juste ici. Le playmat qui est juste en dessous, qui était dédié naturellement aux gagnants. Alors du coup, je vous ai dit tout à l'heure, je suis content d'avoir gagné, mais en fait finalement il y avait peu de joueurs quand j'étais faire la sneak peek, et du coup forcément c'était beaucoup plus facile de gagner, mais je suis quand même content de l'avoir eu. J'ai eu de la chance sur le tirage tout simplement de la sneak peek, parce que j'ai eu des cartes assez sympas, notamment la carte qui est juste ici, qui est une X6 qui est assez forte. Donc voilà, donc on a 5 boosters, c'est des boosters qui m'ont été offerts par Konami, et du coup par défaut je me sens, je trouve ça normal en fait tout simplement de vous en faire partager. Donc il y en a 5 juste ici, le 6ème celui-là, hop, on va le mettre de côté, on va le mettre juste ici, et il est pour vous. Je vous parle du concours à la fin de la vidéo pour le watch time, tout ça, tu le connais. Mais voilà, nous on va s'ouvrir ces 5 boosters là, donc j'attends rien de particulier, je suis déjà très content de pouvoir les ouvrir avec vous, et surtout de savoir qu'ils viennent de chez Konami, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, et on va pas attendre plus longtemps, on va aller s'ouvrir ça ensemble. Donc ce que j'attends de cette ouverture, si on pouvait trouver la nouvelle Entrap, ça pourrait être cool, mais sinon j'attends rien de particulier. Aile de Pégase, Magie de Mousquet, Fifinaleg Altergeist, Danger Pied de Force, ok, une carte danger. Et derrière, on a Écran de Flamme Bleue. Est-ce que c'est en rapport avec... Non, c'est en rapport avec Valkyrie. Ça fait vachement penser à la carte de Joey, Spadassin de la Flamme Bleue. Le Dino Lutteur Terra Pacurio, Dino Lutteur à nouveau, Martial Anga, Effondrement de l'héritage du monde et Sentinelle d'assaut. Sentinelle d'assaut qui est une carte très très forte pour les cartes mode assaut. Donc on a eu une rare et c'est une super ou une ultra? C'est une super. Dans ce premier booster. Deuxième booster. Hop. Mode assaut 0. Rocher hanté Altergeist. Mordschlag. Mordschlag. What? Comment ils ont pu appeler une carte Mordschlag? C'est un peu, c'est presque du manque de respect. Dragivirion, Altergeist, Force... Oh, on a un léger misprint, non? Ouais, ça ressemble légèrement à un misprint. Force White, Super Quantum. Et derrière, Fusion de la Destinée. Ok, c'est une carte pour les cartes Fusion de la Destinée. Donc c'est une carte que j'ai déjà tirée lors de la sneak peek. Donc je suis assez content du coup de l'avoir en deux exemplaires, vu que j'adore le deck Héros la Destinée. Réincarnation Dragarn. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sans plus attendre mettre les raretés par ici. Réincarnation Dragarn. Donc Andy Gallo, qui est une carte super mignonne. Et Valkyrie Attelage. Troisième booster. Alors, Dame de Néo, Cloche du Feu. Aile de Pégase. Piocheman, Héros de la Destinée, ça c'est cool, j'avais aussi tiré lors de la sneak peek, donc c'est plutôt sympa. Bout Dragon Boueux. Alors on a eu cette carte là en carte promo, si je me trompe pas, Bout Dragon, dans LCKC, je pense que c'était LCKC, mais c'était une carte fusion. Trappe de Chêne, ok, carte assez sympa. Hop, je vais mettre les cartes pour rareté là-haut. Effet Bonhomme de Neige, donc ça c'est une carte qui est assez forte également. Yuki Musum. Dunk Cupid. Cupid, pardon. Et Fusion Dino Tyran. Ok. Cinquième booster. Alors, Dux X Crawler. Crawler. Gardien par feu. Qui est une carte assez forte finalement. Morschlag à nouveau, ok, pourquoi pas. Fix Étoileur, ok, carte assez sympa, on dirait les boules de cristal autour. Crescendo Orcuste, on l'a déjà eu tout à l'heure. Union Super Quantique, Dragon du Dépassement et Gookie L'Ogre Solide. Allez, dernier booster à ouvrir de cette petite vidéo.
dragon déringereux. Déringereux. Ok. Oh, il est stylé. On dirait des Lego. Alors, ça peut paraître tout bête, mais j'ai comme projet de faire un deck avec uniquement des cartes qui se rapprochent des Lego. Et du coup, c'est pas mal de pouvoir trouver un Link 2 en plus dans ce deck-là. Dino Lutteur. Dame de la Néo Cloche du Feu. Redémarrage d'assaut. Ok. Et derrière, Répression. Ok. Balayeur de grille, qui est une carte qui m'a sauvé la vie, en fait, tout simplement parce qu'elle permet de détruire une carte sur le terrain. Et du coup, je suis tombé sur un adversaire qui jouait mine, implosion, mine, quelque chose comme ça, une carte terrain super relou. Et du coup, même si j'ai sacrifié la moitié de mon terrain, j'ai réussi à la détruire. Et du coup, j'ai gagné par la suite. Rappeleur Cybers et Thanatos, le lutte de lutte incantation. Alors, je suis content de l'avoir parce que du coup, j'ai eu la rituelle lors de la sneak peek, mais du coup, je ne pouvais tout simplement pas la jouer. Voilà. Alors, je fais un petit récap, pas des communes, mais plutôt des raretés qu'on a obtenues ensemble. Tac. Est-ce que je vais réussir à tout prendre? Oui. Donc, redémarrage d'assaut, répression, fixe étoileur, crescendo orcuste, bout dragon boueux, trappe de chêne, force white super quantum. Fusion la destinée, écran de flamme bleue et danger pied de force. Voilà, donc c'était une petite ouverture assez sympa. Je remercie Konami de m'avoir envoyé ces boosters. Ça me fait plaisir, je suis content de pouvoir faire ça. Certains parmi vous me le demandent régulièrement en me disant, mais pourquoi tu fais moins d'ouvertures qu'avant? Tout simplement parce que ça représente un budget. Et le fait de recevoir des boosters, ça me permet de faire une vidéo d'ouverture que vous appréciez. Et puis même faire une vidéo pour moi, tout simplement. Donc ça, c'est très cool, voilà, c'est très très sympa. Et du coup, pour vous remercier d'une part d'être sur la chaîne, pour fêter un petit peu ce partenariat, entre guillemets, on pourrait peut-être dire ça comme ça, eh bien, je vais vous faire gagner un booster, donc le booster qui est juste ici. Alors, je fais quand même super gaffe avec les gains de booster, pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai fait gagner des boosters, la personne qui l'a ouvert a chopé une carte à 50 balles. Donc, ben, je vous le souhaite, vraiment, je vous le souhaite. Pour participer, c'est très très simple, vous vous abonnez à la chaîne, vous laissez un petit commentaire en me disant quelle est la carte préférée de toute l'extension. Moi personnellement, je vous avoue que j'aime beaucoup le nouveau dragon Firewall tout simplement, ou dragon proxy, je sais plus. Je vous mets le lien, la photo juste ici, que j'ai drop pendant la sneak peek, ce qui a été plutôt cool. Donc vous vous abonnez, vous laissez un petit commentaire et vous aimez la vidéo. Voilà, tout simplement. Et puis bah, je tirerai au sort l'un de vous. Toutes les conditions de participation seront dans la description. Je tirerai au sort l'un de vous. Je vous contacterai, soit sur les réseaux sociaux, soit je mettrai votre nom. Enfin voilà, dans tous les cas, je vous contacterai. Et puis je vous enverrai ça par la poste, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je remercie encore une fois Konami qui m'a envoyé ces boosters-là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On n'a rien eu de très très lourd. On aurait bien voulu avoir la nouvelle entrape, mais bon, c'est pas très très grave. Moi, je suis content d'avoir fait ça. Je suis content d'avoir pu tourner la vidéo avec le tapis de la sneak peek en fond. Ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, les potes. Voilà, cette petite vidéo est terminée, les potes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. En tout cas, moi, je vous dis prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao!